Yop tout le monde, c'est Mlarset, on se trouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite, comme d'habitude sur Sauver le Monde. On se trouve pour l'émission du jour du 2 juin 2021. Hier j'ai pas fait de vidéo de mission du jour parce que en fait je me suis un peu réveillé tard quoi. J'ai fait je sais pas, j'ai dormi beaucoup hier quoi. Genre en vrai j'ai dormi genre pendant 12 heures, je sais pas pourquoi, mais j'avais beaucoup de besoin de sommeil je pense. Du coup voilà pourquoi j'ai pas fait, vu qu'en vrai je me suis réveillé à 15h30. Et vu que je fais les lives à 17h, tu vois, j'aurais pu hein, faire une petite vidéo comme ça à 15h. Mais je me dis que ça servait pas à grand chose. Enfin voilà, j'avais pas très envie quoi. Et du coup, au moment où je voulais faire une vidéo, on m'a invité. Du coup, j'ai rejoint le gars qui m'a invité. Du coup, voilà. Enfin bref, je raconte ma vie comme d'habitude. Du coup, là, pour le moment, je vous montre Fontainebleau et Villeplanche. Bon, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas des masses, il n'y a pas des masses. Du coup, en début de semaine, donc lundi, ça fait genre 2 jours. J'ai commencé à faire des lives sur Twitch, donc n'hésitez pas encore une fois à me suivre. Ma chaîne c'est Deglingo-du-bas Muller7. Donc si vous voulez vous abonner à ma chaîne Twitch, n'hésitez pas à aller directement le faire quoi, au calme. Et puis si vous trouvez pas la chaîne, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord et de me demander directement le lien pour y accéder. Et puis voilà, on passe mytho que ça sera plus simple. Mais de toute façon, normalement, dans ma description, j'ai mis ma chaîne Twitch. Au pire, je le ferai tout à l'heure. Enfin bref, donc n'hésitez pas. Donc pour le moment, on voit que les missions sont pas ouf aujourd'hui. On va pas se mentir que là, il n'y a pas des trucs intéressants. Bon, là, il y a un éclaircisseur en épique, pourquoi pas. Ça peut être intéressant si vous l'avez toujours pas en collection. Mais bon, c'est une arme assez accessible. Je pense que tu l'as facilement dans des lamas ou... Ou dans des missions comme aujourd'hui, quoi qu'il est aujourd'hui en épique. Donc en vrai, c'est assez cool. Donc là, il y a du DQ rare, il y a du DQ épique, il y a du. Vraiment des trucs basiques, quoi. Et au boss morne, il donne 75 DQ épique. Ça peut être intéressant en soi, vu que c'est une mission qui dure moins de 5 minutes, hein, clairement. Donc en vrai, ça se prend. Hein. En vrai, ça se refuse pas des petits DQ comme ça au pif. Donc en 76 les x4 sont pas ouf, mais il y a quand même une petite x4 œil du cyclone avec 185 DQ épique. Ça peut carry ça aussi, c'est intéressant. Si t'as besoin de DQ épique et tout. En 82 pareil, il n'y a pas d'émission ouf, mais il y a un x4 goutte de pluie qui peut être intéressant avec 115 000 XP de survivants. Franchement ça aussi ça peut être ma foi intéressant. Il y a un petit survivant épique ici si vous voulez. En x4 en 88 c'est pas ouf non plus. Bon là il y a un petit 47 foudre en bouteille quand même avec de l'XP de schéma, mais c'est pas ouf. Et puis là il y a du DQ rare, épique et x2 en DQ lège. Ça peut être intéressant avec 12 fragments de tempête. Après c'est une catégorie 4, je trouve que ça c'est pas intéressant de fou à le faire. En 94 les x4 sont vraiment nuls, c'est juste de l'XP de survivant ou de l'XP d'héros. Donc voilà ça peut aider pour certains quand même. Pour ma part non, c'est pour ça que je vous dis que c'est pas une mission si ouf que ça quoi. Je vous ai pas montré en tropical, mais en soi il n'y a pas grand chose. Là il y a un petit soirée pro qui peut carry aussi un 22 et du cyclone. Bon c'est pas ouf, mais bon c'est un soirée pro. T'as un peu de soliante aussi. x4 en 108 du coup il y a un petit 143 gouttes de plus, ça peut être intéressant avec un x4 XP d'euros. Franchement c'est super intéressant. Il y a un petit x4 œil du cyclone avec un dardeur à lunettes. Encore une fois le dardeur à lunettes il est pas ouf, mais bon pour la collection et ça te fait des motifs d'armes hein. Franchement je vous conseille de la faire cette mission. En vrai il y a un x4 œil du cyclone, en vrai ça se prend tu vois, c'est pas perdu. Donc c'est assez stylé, en plus c'est un récupérer les données tu vois, c'est la mission un peu facile. Là il y a un petit x4 fragment de tempête avec 217 000 XP de survivants. Ça peut être intéressant. Et là, celle-là, elle est encore plus intéressante. Du coup, chevauche à la foudre. Elle est en combien celle-là du coup? En 116, 4 joueurs. C'est x4 gouttes de pluie avec 250 DQ épique, j'arrondis. Hein. Donc, ça peut. Celle-là, elle est vraiment intéressante pour le coup. Petit charron légendaire, encore une fois. Pour ceux qui n'ont pas les armes en collection. Moi, je les ai déjà tous, hein, clairement. Moi, je suis un tryhard dans la collection à chaque fois que je me fais un compte. Hein. C'est assez incroyable. Voilà, donc là il y a un petit x4 fragment de tempête avec 250 000 XP de survivants, intéressant de fou. Là, un petit x4 gouttes de pluie avec 300 récupérateurs, encore une fois, c'est intéressant. Ils construisaient en briques à chaque fois, hein. Toutes les missions, de toute façon, jusqu'à la prochaine saison, ils vont être en nature les zombies. Donc, construisez tout le temps en pierre, évidemment, quand c'est des zombies nature.
Donc voilà, là il y a un petit survivant légendaire, ça peut être intéressant aussi avec un x4 XP de survivant. Après c'est un catégorie 4, donc il faut le faire avec des joueurs assez forts, comme si vous jouez avec des teubés qui sont puissance 2, ça va être compliqué. Mais voilà, en vrai, moi je vais me la faire juste après, hein, du coup, au calme. Là, petit x4 récupérateur avec un marteleur, encore une fois, pas intéressant dans l'idée, mais si t'as besoin de motifs d'armes, ça peut être intéressant, ou même pour la collection, tu le mets en collection, ça peut être intéressant, ou même tu peux la jouer en vrai. Hein. Marteleur en vrai, pour un début, si t'as pas d'autres mêlées ou quoi, ça peut être super intéressant. Là, il y a un petit sauver le survivant, si jamais vous avez toujours pas fait votre quête du boss, bon, il faudrait peut-être la faire, vu que là, c'est le dernier jour, donc voilà quoi. Mais ça peut être intéressant. x4 en 140. Et du x2x2 en DQ épique et légendaire, intéressant avec 28 fragments de tempête, en vrai plutôt intéressant. Celle-là elle est très intéressante aussi en répare le refuge, si t'as besoin de récupérateur, t'as un x4 plus 370, franchement c'est assez insane. En plus, après, ce qui est chiant, c'est qu'il y a quand même un petit mort curatif dans la game, quoi. Après, si tu fais de l'AFK, bon, c'est facile. Mais il y a quand même des trucs assez chiants, genre écran de fumée, mort curatif et attaque de lenteur, ça peut être chiant. Mais ça va en vrai, c'est pas pire que bombe agonie plus... Morcure sur celle-là par exemple. Et attaque de lenteur, putain celle-là elle est violente quand même. Mais ça va en vrai, c'est un 4 atlas en plus. Et la ouais, troisième pardon, en x4 en 140. Il y a du x4 XP de euro plus 225 d'éculège. C'est intéressant en vrai. Ouais mais après c'est un livret là. Il y a encore mur curative, hein. C'est assez fou que les 440 comme ça c'est mort curative. Mais en vrai, 225 d'éculèche, c'est bien ou pas? Un affix, c'est combien? Un affix en légendaire, c'est 345, je crois, non? Ouais, non, en vrai, ça passe, mais pas ouf non plus, quoi. Après, petit x5 en récupérateur plus 415 récupérateur, c'est vraiment une mission encore ouf pour les récupérateurs. Hein. Encore une fois, c'est bombe agonie, mort curative, attaque vampirisme. Après, ce qui est bien éclairé par le refuge, c'est que souvent, c'est soit... Il y a que des mastocs, du coup c'est assez simple, t'as juste à les faire au pire te suivre quoi, ça peut être assez intéressant. Ou sinon, c'est des balanceurs et les lobeuses, donc en soi, dans l'idée, il y a peu aussi fracasseurs, mais en soi, tu vois, c'est pas très dangereux, normalement tu gagnes assez facilement quoi. En vrai, t'as pas besoin de mettre trop de pièges non plus quoi, c'est assez, une mission assez simple quoi. Enfin bref, je parle un peu trop, là, x5 récupérateur encore une fois, putain, je sais pas si c'est la journée des récupérateurs, mais c'est plutôt au calme, avec 38 fragments de tempête, après les fragments de tempête, on s'en fout un peu. Mais vu que c'est 11-11, ça veut dire que tu peux te faire 3 trucs, tu vois. Tu peux t'améliorer 3 trucs, tu utilises 11 à chaque fois. Bon, c'est assez sympa quand même. Mais après, c'est un 4 Atlas. C'est un peu de la merde comme récompense pour un 4 Atlas. Après, il y a un deuxième survivant légendaire ici en chevauche la foudre, donc en 160 hein, avec x5 XP de héros. Donc voilà. C'est assez intéressant comme journée. x5 foudre en bouteille plus 38 fragments de tempête. D'ailleurs, hier, il y avait un survivant légendaire en aventure. Bon, je vous l'ai pas dit du coup, mais voilà. En même temps, c'est en aventure, c'est un peu des games cachés. Enfin, c'est un peu des récompenses cachées. Vu que si t'as pas la zone, tu peux pas les voir. Tu vois ce que je veux dire? Un mec qui a jamais fait d'aventure, il peut pas, même s'il le sait qu'il y a une survivant, il peut pas le faire quoi. Et tu vois, il est obligé de demander à des potes qui sont haut niveau. Et t'as pas forcément tout le temps des potes haut niveau, tu vois ce que je veux dire? Donc, en aventure d'ailleurs, je vais juste vous dire un peu ce qu'il y a. Donc, il y a du foie. Ici, il y a un petit détruire le camp pour des gouttes de pluie. Franchement, c'est plutôt sympathique. Et puis, c'est la mission facile à faire si jamais vous devez aider un mec moins haut niveau ou quoi. Donc, voilà, il y a du sauver les survivants aussi. Pareil. Il y a du évacuer le refuge. Il y a du 225 gouttes de pluie plus x4 XP d'euros. Intéressant. x4 fragments de tempête avec 370 récupérateurs. Franchement, intéressante. Après, il y a quoi? Il y a du déculage ici avec du x4 vraiment de tempête. Il y a quoi? Il y a du récupérateur. Ça, c'est des trucs classiques. 300 récupérateurs avec x4 sur XP de survivant, c'est du classique. Là, il y a du culage, déculage, récupérateur. Ouais, c'est vraiment la journée des récupérateurs quand même. Là, il y a de l'œil du cyclone. Là, il y a un petit x4 goutte de pluie avec 130 000 XP d'euros. Intéressant. Là, il y a quoi? Du fragment de tempête, TQ épique. Foudre en bouteille, enfin c'est des trucs vraiment simples quoi. Ici, petit x4 du cyclone avec 300 récupérateurs, encore une fois, c'est vraiment la journée des récupérateurs. Celle-là, tu construis en briques. Hein. Donc voilà pour ce qui est des missions du jour, assez intéressantes en vrai. Donc voilà, aujourd'hui en vrai, c'est assez intéressant. Pardon si je parle trop ou quoi, mais voilà quoi.
N'oubliez pas du coup que vous avez la faux du gardien encore pour 18h. Hein. Vous avez vu, hein, il y a écrit 18h. Donc n'hésitez pas à l'acheter. C'est votre dernier jour. Hein. Demain, elle n'y est plus. Hein. Donc si vous voulez l'acheter, c'est maintenant ou jamais, tu vois. Enfin, aujourd'hui ou jamais, quoi. Donc n'hésitez pas à l'acheter. Toujours aussi en boutique d'objets. Hein. Événement, encore une fois, vous avez encore quoi? Vous avez encore un peu moins de 20 jours si vous voulez acheter les héros dans l'événement. Vu qu'ils vont changer le 20, logiquement. Le 20, attends, le 20, c'est un combien déjà? Le 20, ouais, c'est un dimanche. Logiquement, la boutique d'objets d'événements elle change dimanche le 20. Donc, si vous voulez acheter les héros, donc il y a Forban, Loup de mer, Hybride, le Tromblon, toujours le Ramirez Buccaneer, le Poudrier, Canièvre Flingant, Luna, Lapine Bagarreuse, tout ça, enfin bref. Si vous voulez que je vous conseille vraiment les héros qu'il faut acheter absolument, c'est lui. Lui, il faut absolument l'acheter. Si tu joues sniper, ça peut être super intéressant. Après, eux deux sont pas vraiment utiles. Lance of the Pack, bon, tu peux le prendre. L'IFE Fringant, je vous le conseille. La Lapine, évidemment, je vous la conseille. C'est mon héros l'un des héros préférés que je préfère. Le Poudrier, bon, il est pas si important que ça, mais voilà. Ramirez Buccaneer, elle, c'est insane. Tu peux vraiment l'acheter. Si tu kiffes le gauche-droite, c'est vraiment le meilleur héros. Hein. Clairement, il est trop kiffant. Hybride, il est pas si important que ça, mais achetez-le quand même. Il peut être utile. Le Tromblon, bon, bah, c'est fort. Hein. Loup de mer, il est insane pour l'onde de choc. Soit tu le fais en deux fois ou soit en une fois, mais le 55% il fait vraiment mal, genre il est vraiment insane. Et puis Ken Forban, je vous le conseille aussi en vrai pour la bombe fumigène qui rend le heal, ça peut être intéressant si tu mets une compo full bombe fumigène, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, voilà pour ce qui est de voilà, c'est ce que je veux dire ça. Donc voilà, donc là j'ai plus rien à vous dire en termes d'aujourd'hui. J'ai fait l'émission et tout, c'est plutôt intéressant. Il y a pas mal de missions intéressantes quand même. Il y a deux sur un légendaire, hein, n'oubliez pas. Donc voilà, pas de mission V-Buck aujourd'hui, malheureusement. Désolé. Enfin, désolé, c'est pas moi qui décide, donc je sais pas pourquoi je m'excuse, mais bref. Donc voilà, donc n'hésitez pas à partager, à liker la vidéo, à la partager si c'était intéressant. N'hésitez pas à me dire si vous aimez justement que je fasse l'émission du jour comme ça tous les jours. Hier j'ai oublié, mais du coup, mais n'hésitez pas à me dire si vous kiffez. Moi j'aime bien en vrai découvrir un peu le matin quand je me connecte comme ça. Je regarde un peu ce qu'il y a, c'est intéressant. Et du coup, bah, c'est intéressant aussi de le faire en vidéo. Au moins, ça informe les gens qui jouent pas forcément ou quoi. Et en même temps, s'ils voient qu'il n'y a rien, bon, ils jouent pas, tu vois. Au moins, ça leur évite de se connecter. Ça peut être intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire. Et sinon, n'hésitez pas. Comme je le dis, je vais le redire, hein, mais à vous abonner à ma chaîne Twitch, c'est très intéressant, important pour regarder pour suivre mes lives, pardon. Et puis à rejoindre mon serveur Discord, ça c'est très important. En vrai, ça fait pas mal longtemps que j'ai mon serveur Discord, mais j'arrive pas à faire venir des membres. Et en vrai, si vous avez Discord, n'hésitez pas à le rejoindre. En vrai, ça coûte rien. Au pire, t'as pas besoin d'être actif de fou, tu vois. Juste de temps en temps, tu demandes si t'as besoin d'aide ou quoi. Voilà, c'est intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas du coup à faire ça. Ce serait grave gentil à vous. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube, très important. Bon, continue de monter en abonnés, ça ferait plaisir. En vrai, si j'arrive à. Au 850, on va dire, allez, 850 avant mon anniv, donc le 26 juin, donc dans 3 semaines, quoi. En vrai, je serais content. En vrai, ça ferait un beau petit cadeau, 850 abos. En vrai, c'est un beau chiffre. Mais voilà. J'aurais préféré avoir les 1000, hein, évidemment, mais bon, il faut pas aller trop non plus. Les 1000 dans fin de l'année, j'aimerais bien avoir les 1000, fin d'année. Ça fera 3 ans que je fais des vidéos, du coup, en fin d'année. Donc, en vrai, si j'ai les 1000 au bout de 3 ans, je suis en mode c'est pas ouf, mais ça fait quand même plaisir, tu vois. Pour ce que je fais vraiment de la merde comme contenu. Donc, en vrai, voilà. Bon, bref, je vais pas vous déranger plus que ça. Je pense que j'ai tout dit. Si j'ai oublié quelque chose que j'ai pas dit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Hein. Du coup, moi, ça vous fait pour le référencement, tu vois. Un petit commentaire pour le référencement, ça fait plaisir. Enfin, bref, je vous laisse là-dessus. On se dit à tout à l'heure pour le live ou à demain pour la prochaine vidéo, si j'y pense, évidemment. Ciao!